Yahweh a dit libre son yo. Donc il est capable de t'abonner, il est puissant. Même si tu manquais quelque chose dans ta vie. Tu manques l'argent. On va chercher seulement l'homme de qui Moïse a écrit. Celui dont les prophètes ont parlé. Comment Jésus a écouté la confession de ces gens-là? Jésus leur a dit. Oh, homme sans intelligence. Là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Pour comprendre Jésus, ce n'est pas d'abord beaucoup prier. On était dans les groupes de prière. Nous sommes foi, caca. Hein, nous seulement c'est la foi. Non, Jésus n'a pas enseigné comme ça. Il voulait savoir. Oui, vraiment, il confessait que Jésus était non puissant. Il est vraiment un homme puissant, parole en acte. C'est aussi la confession de toutes les églises qui sont là. Mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Mais Jésus a indiqué la loi. Il a indiqué la loi. Applique-toi cette loi dans ta vie. À lire les livres des prophètes de Moïse. Tu vas découvrir Jésus à l'intérieur. Il a dit ceci. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Et qu'il entrasse dans la gloire. Amen. Donc les prophètes disaient que le Christ devait souffrir. Christ devait entrer aussi dans la gloire. Mais ils étaient là à croire ce que les prophètes avaient dit. Vous savez bien aimé, on doit arranger certaines choses. Parce que j'ai entendu des gens dire, bon, ce qui était scandaleux pour les juifs, c'était que Jésus est né d'une femme. Non, c'était pas scandaleux pour eux. Ils savaient de par la loi que le Christ devait naître aussi par une femme. Lorsque les mages sont venus vers Hérode, pour aller voir l'enfant qui était né, Hérode avait fait appel à qui? Hérode a n'est-ce pas sacrificateur? Les incrédules. On va poser la question. D'après les prophètes, où devait naître le Christ? Et les sacrificateurs n'ont pas répondu que non, selon la loi, le Christ n'est pas, il descend directement comme ça. Non? Ah, ils ont ouvert vraiment les rouleaux. Prophète Miché. On dit le Christ devait naître à Bethléem. Des écritures. Les gens savaient que Jean-Baptiste était né d'un père et d'une mère. Mais ils sont venus lui poser la question, mais tu es Christ? Amen. Amen. Et tu es Christ? Christ. C'était pas vraiment scandaleux pour eux. Ils savaient une chose. Lorsque Hérode a été roulé, Dieu a fait fuir la famille en Égypte.
en Égypte. Mais en retournant, ils sont retournés nous encore à Bethléem. Ils sont retournés en Galilée. En Galilée. Et dans une petite village, dans un petit village qu'on appelle Nazareth. Qui
que vous adorerez le Père. Oh, mais l'air que vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Si les Juifs pouvaient se glorifier du temple physique, nous aujourd'hui nous nous glorifions en Jésus-Christ. Vous savez, frère, le temple c'est un grand sujet de gloire. Israël était dans l'idolâtrie. Israël était dans l'idolâtrie. Mais c'est appelé la poitrine. Ici, il y a le temple de l'Éternel. Et suffisamment pour nous d'y retourner, d'aller dans ce temple-là. C'est la victoire. Il suffit pour nous. N'allez pas dans le temple là. C'est le pardon du péché. Nous aussi, nous avons un véritable temple. C'est l'Éternel Dieu lui-même. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Il habite au milieu de nous. Il est là pour donner des solutions à tes problèmes. Il est là pour assurer ta victoire. Donc là où tu ne voyais pas bien, laissez-nous pour le temple qui est Jésus-Christ te donne la lumière. Le Seigneur par Jésus-Christ te donne la paix. Parce qu'aujourd'hui, il habite au milieu de nous. Il y a beaucoup de choses à dire. Même quand Salomon avait construit le temple, il avait disposé une partie qu'on appelle les lieux saints. Les lieux très saints. Ça avait 20 coudées. Il y avait aussi les temples qu'on appelait vraiment temple, la maison, qui avait 40 coudées. Donc les lieux très saints, on l'appelait sanctuaire aussi. Et aujourd'hui, c'est représenté comme Dieu lui-même. Comme Jésus-Christ. Et Paul l'a défini dans Hébreux comme les lieux très saints, les ciels véritables. C'est pour cette partie-là de 20 coudées-là. Paul l'a appelé sanctuaire, les temples, les ciels véritables. Maintenant vous voyez cette petite partie là. Maintenant on nous écrit dans les livres des prophètes. Salomon a pris les sanctuaires. Il l'a placé intérieurement à la maison là. Comment tu expliques ça? Il y a 20 coudées. Il y a 40. À partir de 20 coudées, là, c'est ce qu'on appelle sanctuaire. Et si 20 coudées, on va venir à moi, c'est sanctuaire. Dites seulement 20 coudées. Qu'on appelle sanctuaire. Vous voyez? Que Paul appelle dans les Hébreux 9 comme les ciels véritables. Vous voyez ça? Que Esaïe appelle l'Éternel Dieu. Et que Esaïe a donné à Yahweh Zambé. Les sanctuaires. Salomon a vu et il est placé intérieurement au milieu de la maison. Bible, frère. C'est insaisissable avec l'intelligence humaine. Mais c'était des prophéties, frère. Et il montrait comment Dieu va faire un voyage dans les temps. Parce que la maison aujourd'hui, c'était Israël. C'est pour que Emmanuel. Aujourd'hui aussi l'Éternel. L'Europe, Yahweh. Par le Saint-Esprit. Il est au milieu de la maison qui est l'Église. C'est pourquoi on dit. Quand on a regardé. On a vu un homme qui marchait au milieu de cette chandelier. Mais il est là pourquoi? Pour te sanctifier toi. Pour résoudre tes problèmes. Pour terminer ta maladie. Pour te donner des solutions. C'est pourquoi nous allons nous lever pour la prière.
Nous allons nous lever pour la prière. Nous allons lève-toi pour la prière, bien-aimé. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la prédication de ce matin. Le Seigneur qui vient de nous parler, qui est le véritable sanctuaire. Et que ce sanctuaire, c'est Jésus-Christ. Lui de qui Moïse a écrit. Et dont les prophètes ont parlé. Rendons d'abord grâce au Seigneur pour la prédication prière. Seigneur Jésus. Oh Dieu Jésus. Mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, tu es le véritable sanctuaire, oh Dieu. Vous avez dit un peu loin, seul Jésus-Christ. Sans bien amour, il va côté. Quand oh Dieu, sans bien amour. Oh, cher, mon prière, sans bien amour, Dieu. Vous avez dit sans bien amour,